Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'agenda organiseur spécial. Donc pour celles qui n'auraient pas vu le tuto, j'ai réalisé cet agenda à la demande de Théo pour son patron, enfin pour le garage en fait, parce qu'il adore ses patrons et qu'il voulait que je leur fasse un agenda. Donc, je me suis exécutée. C'était un peu particulier parce que c'était sur le thème des voitures de collection, puisque c'est une carrosserie qui rénove et qui répare les voitures de collection. Donc, c'était pas évident. J'ai été récupérer des images sur Pinterest. Voilà. Mais bon, finalement, je suis assez contente du résultat, j'espère que ça leur plaira. En tout cas, ça plaît à Théo, donc c'est déjà pas mal. Donc, je vous montre. Alors, là, en fait, c'était une voiture de collection rouge qu'il y avait derrière. Et en fait, le patron a cette voiture-là. C'est une Lancia, je sais plus. Je sais plus. Bon, moi, les voitures, voilà. Et du coup, Théo tenait absolument à ce que ce soit ce thème. D'ailleurs, l'enseigne du garage, c'est cette voiture qui assure leur pancarte. Voilà. Donc, du coup, ben, je me suis exécutée. J'ai réussi en main commun à trouver des images, des photos de cette voiture. Donc, du coup, ce que j'ai fait, ben, je suis venue la découper et la coller avec de la mousse 3D par-dessus la voiture rouge qui, ma foi, moi, je la trouvais super jolie. Mais bon, je me suis exécutée. Donc voilà, bon, ça c'est le nom du garage. Et là, c'est du papier action. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fond très léger, il y a une voiture de collection rouge. Voilà, mais très un peu effacée. Voilà, cette image, c'est Pinterest. Je suis venue coller du papier noir sur toute la surface. J'ai refait les trous. J'ai collé mon papier déco vintage. J'ai collé sur du papier noir ce papier-là que j'avais imprimé. Après, j'ai collé le tout et j'ai collé la voiture par-dessus. Voilà. Ensuite, oui, pour info, j'ai changé la reliure parce que l'autre était trop petite et du coup, comme j'en avais une plus grosse, j'ai préféré mettre la grosse plutôt que d'enlever une ou deux pages. Voilà. Donc, toujours pareil, attention à l'épaisseur. Celles qui me suivent savent que j'ai du mal. Hein, voilà. Donc, ensuite, là, j'ai fait une pochette. Voilà, de tout le long. Avec cette image pareille que j'ai récupérée sur Pinterest. Voilà, là j'ai laissé simple parce que l'image était trop belle et Théo la voulait absolument. Donc du coup, j'ai pas coupé l'image, je l'ai laissé comme ça. Ensuite, là je suis venue rajouter une page avec une pochette, pareil, une grande pochette. Et là j'ai fait une pochette. Voilà. Cette image et celle-là viennent de Pinterest aussi. Donc, c'est Théo qui a choisi, qui voulait absolument. L'Harley, c'est parce que le fils du patron adore les Harley. Voilà. Donc, du coup, il voulait absolument que je mette une Harley. Et cette voiture, parce que ben, je pense que Théo l'aimait bien. Ensuite, donc ça, c'est des pages que j'ai rajoutées. Et vous voyez, du coup, les trous sont un chouïa trop petit. Il aurait fallu un tout petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, là, j'ai récupéré sur Pinterest, toujours pareil, une image, enfin une photo. C'était une photo avec une voiture en train d'être réparée, tout ça. Donc, comme j'ai trouvé que ça reflétait bien leur travail, du coup, je l'ai imprimé. Avant de l'imprimer, j'ai mis un voile. Nostalgie, je crois. C'est un des rares trucs que je sais faire en informatique. Et après, je suis venue là ancrer et l'abîmer de partout. Voilà. La pochette aussi. Ça, c'est du papier d'action. Bien sûr, c'est abîmé et ancré. Voilà. Là, pareil, papier de chez Action. Et là, du coup, je suis venue découper et coller une voiture.
Elles étaient trop grosses pour rentrer dans les papiers. Et du coup, en fait, je l'ai découpé. Je l'ai tout autour. Et du coup, ça fait une pochette. Voilà. J'ai trouvé ça sympa, plutôt que de laisser le papier simple. Voilà. Là, bien sûr, c'est une autre page que j'ai rajoutée, une grande pochette. Et là, nous avons une pochette à nouveau. Voilà. Et une image de Pinterest. Celle-là, c'est Théo qui l'a choisie. Voilà. Là, j'ai rien fait. J'ai laissé très simple. J'ai vieilli quand même là. Je sais pas si vous le voyez. J'ai vieilli avec la vintage photo les bords juste. Et après, j'ai pas touché autre chose puisque le but est qu'ils écrivent. Donc voilà. Donc là, j'ai rien fait. Ensuite, là, j'ai rajouté encore une pochette. Voilà. Donc hop, je vous montre. Et pareil, cette image, je l'ai eue sur Pinterest. J'ai mis un filtre nostalgie. Pratiquement toutes les photos, les images sont en nostalgie ou en vintage, l'un ou l'autre. Et là, du coup, ben, j'ai rien fait que de coller la feuille entière. Voilà, parce qu'elle était un peu trop petite pour faire les encoches là. Donc, mais bon, moi je trouve que ça fait sympa aussi. Et derrière, je suis juste venue coller un papier d'un bloc d'action, je sais plus lequel c'était. Voilà, que j'ai bien sûr abîmé et vieilli partout. Pour la couverture arrière, j'ai fait une grande pochette. Là, une plus petite pochette. Et là, c'est le reste du papier qui me restait de la couverture, en fait. Vous savez, la voiture, là. Ben voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qui me restait. Donc, il y a deux pochettes. Voilà. Et donc, ah, j'ai toujours mon problème d'épaisseur, là. C'est à ce niveau-là, là. Parce que là, c'est trop épais. Mais ça va se faire après. Et derrière, bah, j'ai collé cette image-là que j'adore. Voilà. Enfin, et que Théo adore surtout. C'est surtout lui qui adore en fait. Mais bon. Donc voilà. Vous avez le tuto en trois parties. C'est juste les vidéos qu'il y a avant celle-là. Voilà. Donc c'est un exemple d'agenda organiseur. Alors là, pour le coup, c'est très personnel puisque c'est particulier. Voilà, c'est pas le truc habituel, même au niveau des papiers et tout. Ça a été voilà, il a fallu que je cherche, que j'imprime. En plus, vu le réseau que j'ai, je vous dis pas le temps que ça a pris. Mais voilà, c'est fini. Je pense que j'ai rempli ma part du contrat. J'espère que ça plaira à Théo parce qu'il a pas vu encore fini. Voilà, puisqu'il travaille. Donc voilà, bien sûr, toujours mon problème avec la roulure là, que c'est pas droit, c'est pas rond en fait, c'est un peu plat. Et du coup, les trous, comme vous voyez là, les reliures, ouais, je sais pas, le métal là, je sais pas comment on appelle ça, ils sont larges. Donc du coup, ça force un peu au niveau des trous, mais ça va se faire. Donc je me dis, voilà. Donc ça, et du coup, comme j'étais dans ma lancée et qu'il me restait un peu de papier, j'ai rajouté un netbook. Voilà, c'est les netbooks de chez Action. Donc pareil, j'ai repris un peu la couverture de l'agenda. Sauf que du coup, là, c'est imprimé un peu plus foncé. En fait, ça, c'est la vraie couleur. Parce que là, il manquait un peu d'encre. J'ai été racheter de l'encre hier. Finir, du coup ça m'a flingué la cartouche, hein. J'ai même pas imprimé 10 feuilles, j'avais plus d'encre de couleur, donc sachez que ça revient assez cher niveau encre quand même, enfin, ça n'est pas des imprimantes que vous avez, mais moi la mienne, même pas 10 feuilles avec une cartouche, je trouve ça quand même assez énorme, mais bon. Donc pareil, j'ai repris la même image, je suis venue recoller la voiture, par contre j'ai été obligée de la couper un petit peu là, puisque bah, c'est un petit netbook. Donc voilà.
Ensuite, là, j'ai rien fait. Par contre, là-dessus, je suis venue limer avant de coller avec une lime à ongles. Voilà. Pour que ça adhère un peu plus, puisque c'est un faux cuir. Donc, du coup, voilà, au cas où, j'ai préféré limer. Et là, rien, très simple. J'ai collé un papier noir. J'ai collé un papier que j'ai abîmé et ancré, pardon. Et là, pareil, j'ai fait une petite pochette pour mettre des petits papiers avec la voiture. J'ai rien fait. J'ai juste vieilli. Je n'ai pas touché parce que je voulais pas que abîmer les papiers après derrière. J'aurais pu tout coller, mais bon, j'ai fait simple. J'ai ancré aussi tous les bords. Voilà. Et derrière, pareil, j'ai juste ancré. Et là, j'ai collé un papier noir. Et j'ai collé la photo d'une voiture de collection. Je ne sais pas si c'est la même, hein, franchement, je ne connais rien. Je l'ai vieilli, abîmé. Et puis voilà, c'est style. Manière d'avoir une photo derrière du garage, même si c'est pas le leur, je suppose que les garages se ressemblent un peu tous. Voilà. Et derrière, je suis venue mettre un papier aussi que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà, bon, bien sûr, là il est coupé. Hein. Et puis voilà. Pour faire ça, je vous le montre là dans le tuto d'ailleurs de celui-là de l'agenda. Donc là, je ne vous ai pas fait le tuto, c'est super facile, j'ai rien fait d'extraordinaire. Donc voilà. Donc ben moi j'ai rempli ma barre de contrat. J'espère que le tuto de l'agenda vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne peux toujours pas répondre aux commentaires, je ne sais pas. Donc, ne vous inquiétez pas si je réponds pas, mais c'est pas moi qui ne veux pas répondre, c'est que j'y arrive toujours pas. Mais je désespère pas, un jour j'arriverai à répondre à nouveau. Voilà, pour ceux qui m'envoient des mails ou sur Messenger qui n'ont pas de réponse, n'hésitez pas à me les renvoyer car vous savez que Internet c'est difficile ici et que des fois ça bloque et je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Vivement la fibre. Un jour on aura la fibre, apparemment dans un an. Mais bon, voilà. C'était une petite parenthèse pour vous dire que si je réponds pas, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que je ne peux pas vous répondre. Ou que je n'ai pas vos messages. Voilà, parce que je sais que Karine, les textos, ça passe plus, j'arrive, ça s'envoie pas, mais qu'avec elle en plus. Et les Messenger, je l'ai contacté sur Messenger et je n'ai toujours pas de réponse. Donc, je ne sais pas d'ailleurs, Karine, si tu passes par là, essaye de me contacter. Ta commande est prête, hein. Et puis, voilà, j'attends juste les frais de port pour pouvoir te l'envoyer. Donc, réessaye si tu y arrives, toi. Moi, j'ai tout essayé et j'ai pas de réponse. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.